La Casamance. Casa Dimensa. La Casa des Rois. Les politiciens voulaient te diviser. La Casamance faisait une marche pacifiquement vers la ville. Les femmes enceintes, les bébés au dos, les calebasses remplies d'eau et les colombes se dirigeaient vers la ville, demandaient leur autonomie. À partir de là, le gouvernement a ordonné aux forces armées de tirer sur cette population qui marchait pacifiquement, sans armes, sans gouvernement. Ils se sont repliés et l'armée l'a poursuivi jusqu'en pleine brousse, jusqu'à la frontière de la Guinée-Bissau. Ils se sont dit, nous ne sommes pas des Guinéens, on est des Casaciens, et donc il faut stopper ça. Et là, ça a tiré dans toutes les sens. Soumé Métaï Fandiak. Pour tous les innocents tués en Casamance. Où sont-ils ceux qui nous ont promis quand ils seront au pouvoir, la crise casamancienne sera réglée. Depuis ce temps, les innocents continuent de mourir, les armes continuent de retentir, et ils nous regardent sans te tuer. On a des victimes de cette conflit, et nos papas ont été torturés. Il est temps de pardonner, de mettre fin à cette injustice. Et plus tard, justice sera faite pour l'homme qui a voulu mettre feu à la Casamance. En passant par Okoud, de Jigen Shaw, Binjona, Kolda, Belingara, Sidou Fony. Ce message est adressé à toute la jeunesse de la Casamance. Il est temps d'essuyer nos larmes et de faire disparaître toutes ces armes et de reconstruire notre belle Casamance. Yaman.
car on est les seuls et uniques responsables de son développement.